Ce mardi 10 août est une date historique pour le PSG et le football français. Lionel Messi est arrivé à Paris pour s'engager dans le club de la capitale. Une recrue incroyable, puisqu'avec cette signature c'est un des meilleurs joueurs du monde. Sextuple Ballon d'Or, qui rejoint la Ligue 1. Il y a moins d'une semaine, pourtant. La star argentine semblait sur le point de prolonger son aventure avec l'OFC Barcelone. Sauf qu'en raison d'obstacles économiques et structurels, le club et le joueur n'ont jamais pu officialiser le contrat. Le PSG a sauté sur l'occasion, et après quelques jours d'après-négociation, les Parisiens vont récupérer un joueur de choix. Comme Sergio Ramos quelques semaines avant lui, Lionel Messi n'atterrira pas seul sur le territoire français. L'Argentin est en couple depuis plus d'une décennie avec Antonella Roccuzzo. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. Et c'est tout ce petit monde qui devrait débarquer à Paris pour, au moins, les 2 prochaines années. Alors que la signature du joueur n'avait pas encore été officialisée par le Paris Saint-Germain. Antonella Roccuzzo a écrit un message en story Instagram, ce mardi 10 août, qui ne laissait déjà plus aucune place au doute. Tous ensemble vers une nouvelle aventure, écrit la jeune femme sur un cliché où Antonella et Lionel posent dans un avion, certainement en direction de Paris. Quelques heures plus tôt, c'était la sœur de Neymar qui souhaitait la bienvenue à Antonella Roccuzzo. Et en début de matinée, le père de Lionel Messi a confirmé la venue du joueur argentin en France. Enfin, en milieu d'après-midi, une courte vidéo théasant l'arrivée de Lionel Messi par le compte du club parisien a récolté des centaines de milliers de likes en une dizaine de minutes seulement. Toutes les planètes sont désormais alignées.